Et re Twitch et sur YouTube, nouvel épisode du follow en live sur Red Dead. On avait fait mission toute bête, mais il s'était passé pas mal de choses. Salut, héros! Hein? Qu'est-ce que bonsoir, comment vas-tu? Il est pas intervenu, c'est bizarre. Incroyable cette ombre quand même. Mais ça va, écoute. Là, ce magnifique Red Dead, c'est incroyable. Je lui fais pas quand même. C'est quand même incroyable ce jeu. Oh, Arthur, il est pas cher. Ah, je vois ça. Ah, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à découvrir, plein de trucs à redécouvrir. Oh, merci pour l'host. Merci beaucoup. Il y a vraiment une différence entre le son du jeu et le son de reste en fait. Je me rends compte, je sais pas pourquoi il est si peu. Je sais pas. Je sais pas. Bref, faisons une mission. Je ne peux pas sauvegarder, c'est bizarre. Faisons. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on. Non. Oh, et là! Ouais, mais j'aurais été salaud. Genre. Oh, t'as cru vraiment que j'avais aucune. J'avais pas de cœur. Y'a plein de branchos qui craquent. Ta queen. Des bruits chelous. Incroyable, hein. Non, en flemme. J'avais plusieurs idées, je fais bon. Flemme. Je vais faire un truc cette année, malheureusement je faisais l'idée que j'avais que je pouvais faire que cette année. Et puis avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu. J'ai un peu de logistique. Bon, ce stream est un poisson d'avril permanent. Parce que c'est, on se casse. Il y a un gros point d'interrogation. Forcément. Forcément, je vais y aller. J'ai caché un directeur en lien par là, mais je vais faire des tonnes dans le. Putain. Quand même beaucoup de logistique pour pas grand chose. Alors qu'en vrai, une petite enceinte Bluetooth. De toute façon, le confinement oblige. Pas d'autre choix. Vraiment. J'espère qu'il n'y a pas de train sur cette voie. Hein? Quoi? Hein?
quoi encore? You okay? Help! You help. Sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butcher's Creek. Butcher's Creek. J'en viens, putain. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. On a compris. Want me to take you back or? They're in me. Come on, let me get you home. Ah, putain. Butcher's Creek. On a compris. Ça passe? On va vite dire, on est l'inconnu aux endroits où l'eau est profonde, il pourrait se noyer. Oui, t'inquiète. Ah, c'est quoi ce truc là? Stop! Et où? Putain, je savais que je l'avais pas étudié. Étudie-lui vite! Ouais, nickel. Castor d'Amérique du Nord. Incroyable, hein. Typiquement un bruit à la GTA, ça. GTA 4 exactement. Le petit ling là. Alors pourquoi j'ai le. Ouais, non. Attention le castor. Ouais, arrête de parler du diable. Je viens de shooter un truc, désolé. Bon, stop parler du diable, stop. Quand c'est musique chelou là. C'est quoi ce jeu? C'est Blair Witch? Un méchant, mais. Ah, y'a pas plein de trucs à étudier, oh, sûr. Bon, c'est de la merde. Bon, où est le colis, les gars? Merde, où? Le mule! You found le mule! Oh, come here! Je crois qu'ils sont tous fracassés ici. Hein. Je pense. Some distress. Yeah, he seems calmer now. I found him out in the woods. Well, Lemuel, sweet Lemuel, such a nice man, such a good man. Come here, come on. Come on. Get up here, help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. Oh, oui. He said it's the darkness. Ah ouais, non, mais là, Arthur... Well, thank you, sir. Thank you for... Pardon? Désolé, hein. Please. Them you are not well. You got anything for me? Oh, yeah. Of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. We're not quoi, a rich fait, village, c'est les ancêtres scientologiques, quoi. We thank you. Okay. C'est un mélange entre des Amish et la scientologie. Bon, est-ce qu'on pourrait s'atteler à des choses un peu plus principales? Attention à chèvre, on va être des accidents, c'est bon. Ça passe. Cette zone est totalement dingue. Il y a des trucs à tous les coins d'arbres. Truc de ouf. Ah, c'est bon, les points rouges, Nick. Les cougars, les léopards, les fougères. Ah, ça me donne envie de faire GTA 4. Putain, pourquoi j'ai envie de jouer à GTA 4? Merde! Quel rapport? Regardez ou pas? Oui, on peut. Alors, où, comment, pourquoi, à quelle heure, dans quelle sauvegarde, on s'est foutrement rien.
16 mars. J'ai joué 16 mars la dernière fois? Ah bon? Ah, San Andreas. Pas mon préféré, mais bon. Merde, 16 mars de quelle année? J'ai pas regardé, je suis con. Bah, de toute façon, 60%. Ah, San Andreas, c'est pas mon préféré, mais San Andreas quand même. De toute façon, tu sais quoi? On va partir d'un principe. Je ferai tous les GTA en vidéo. Voilà. Bah, c'est dit. Que ça soit en live ou que ça soit sur YouTube, j'en ai rien à foutre. L'icône radar d'une mission indique qu'une large zone vous devez explorer pour trouver votre camarade. Moi je parle comme un Pokédex, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie, c'est comme GTA. C'est comme Driver. Voilà, j'ai envie de faire tous les GTA. Alors peut-être pas le 1 L2, je vais pas te mentir. J'ai jamais fini, je crois d'ailleurs, le 1 L2. Je m'avais trop gavé. Mais GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4. Bon, GTA 5. Voilà. Et du coup, peut-être Vice City Story et Liberty City Story, je n'ai jamais fait. Absolument jamais. Ça sera peut-être l'occasion de les faire. Je sais que c'était des opus qui étaient spécial PS2. PSP, pardon. Mais ils les avaient réédités sur PS2. Pélican d'Amérique. Ah oui, évidemment, on est pas en Croatie, hein. Pendant le temps que ça prendra, on fera tout le GTA en vidéo. What the fuck, quoi? Tous ces bestiaux ici. La foire! Qu'il y a une bombe nucléaire qui vient de péter. Non! Je vais shooter une grenouille. Oh, il y a un point rouge derrière moi. Putain de serpent. Sans un point rouge qui te saute pas à la gueule, c'est que c'est un serpent. Putain, c'est beau. Ici. L'ambiance est tellement glauque. Oh, c'est bizarre. Ah, oh, putain, j'avais pas vu ça. Ah merde! Ah, attends. Allez, de voir que tu portes le chapeau. Ouais, j'ai oublié la dernière fois. Ah, attends, parce que c'est vraiment un tanné. J'ai rien pour mon œil de faucon. Vraiment, cette ambiance sonore me stresse. Hein. Puissance 22. Quoi? Qu'est-ce qu'a fait un bruit bizarre? Putain, je suis tenté de faire une belle photo là, mais je sais qu'il y a des trucs dans le. Dans la flotte. Mais là, il y a trop une belle photo quoi. Tant pis si je me fais croquer, c'est pour la beauté de l'art. Voilà, sans le feuillage. Voilà, c'est exactement la photo que je voulais. Hop. Putain. Ah ouais, putain de merde, c'était pas un putain de buisson. Merde. Un putain de foutu alligator. Le truc là à gauche. Ah, merde, il est où?
Bref. Un arc-en-ciel ? De ma gueule. Oui, je vois un arc-en-ciel, vous voyez peut-être pas, mais moi je vois un arc-en-ciel. Il est là. Attention, on le voit. Incroyable. Ce jeu est incroyable. 10 minutes que je suis là comme un boulet. The thing is, Sadie, I really can't. I must come. He's my husband. I know he's your husband, but it's gonna be. Well, it's gonna be violent. Incroyable. I can handle myself just fine. Ça aussi. Non, non, il y a bien. Like I said, ain't happening. Il y a bien un arc-en-ciel. You got a boy. I insist. Cette direction artistique, incroyable. Arthur Teller. Teller what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crime sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Totalement largué. Hein? Mais quoi? Chut. Jusque là, j'ai pas trop galéré avec ma touche cassée. This time of day, prisoners probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. How many times, Marston? Mais je crois qu'on pas là, on serait pas au bout de la map. Okay, bring us over. Encore une mission d'infiltration, on adore les missions d'infiltration. J'ai mon fusil cette fois. Oh genre il voit R. We good? Ah oui, c'est là où on était en montgolfière. On est où sur la carte? Incroyable. Oh bah ça promet hein, on va rester une heure ici. Il est 20h29, quoi? Ça n'a pas de sens. Okay. Évidemment je n'ai pas d'armes, sinon c'est pas drôle. Et moi j'ai tout mon arme. Putain, j'ai un putain de sniper et je l'ai pas. Bah je me rappelle, c'est là où on était passé en montgolfière. On est tous morti, c'est un paradoxe temporaire. Je me suis rematé les trois vidéos de Méa là, c'est l'entre du Méa, sur Retour le futur. Je connais déjà tout ce qui. Voilà. Mais putain, qu'est-ce que j'aime les vidéos de ce mec là quoi. Je comprends pas comment, je sais pas combien, 6, 7, 8 ans de YouTube, le mec a même pas 200 000 abonnés quoi. C'est un truc de dingue. Tu vois, c'est encore du YouTube à l'ancienne ce qu'il fait, j'aime bien. C'est propre, c'est plein de. Même il me fait regarder des trucs sur des films où je me contrefous quoi. Ouais. Ouais, non, mais il est ouf ce mec. Enfin, je sais pas, tu sais, il a un côté vraiment YouTube à l'ancienne que j'aime bien. Et je sais pas, j'aime bien alors que je suis pas du tout cinéphile, mais je trouve ça vachement agréable quand il parle d'un truc. Tu t'es posé, t'es là, à la limite, tu te prends un petit chocolat. On a dit discrètement, putain de merde. Est-ce qu'on a un sniper? Est-ce qu'on a un sniper, s'il vous plaît, j'ai un sniper. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je... Est-ce que je l'ai vu? Je crois que oui. Ouais, je crois que j'ai vu toutes ces vidéos. Ah oui, putain. C'est de la merde! Ah, yeah. I see two guards. Okay, take them out and let's go get our boy. Okay.
peux pas les marquer. Heureusement que c'est des gogoles. En situation réelle. Ah bah bravo! Non, je suis bien là. C'est quoi le film sur deux prisonniers comme ça à cette époque? Au Brother, non? Je sais pas, d'un seul coup, je vois un truc. Un film que j'ai pas vu. Et je vois deux mecs qui courent en tenue de bagnard. Un visage. Ah, en parlant de ça, putain, j'ai envie de jouer à Crimson Sky aussi. Sur Xbox, du coup. Encore une fois, faute à Mea qui faisait une vidéo sur Rocketeer. Et du coup, qui parlait de Crimson Sky que j'ai. Et c'est vrai, putain, quel bon jeu. Oh, Brother, ok, j'ai pas vu. Qu'est-ce que ça vaut? Je regarderai sûrement. Mais... Arthur, let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, Mister. Oh, c'était une balle dans la tête. Hein. He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Voilà, c'est Walking Dead, hein, Arthur. Hein. Il est pas rien, hein. Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Okay. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Calmez-vous, hein. Bon, on sait qu'on va le libérer vu que c'est le héros du premier Red Dead qui se passe après le 2. Enfin, les BO quand même sont dingues. Towards the entrance, I guess. Who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Des fois, graphiquement, j'en reviens pas en fait. So, mais c'est pas possible, ça tue en... ça tourne en temps réel. Je sais pas. Especially. Well, I guess we're about to find out. Bon, je peux t'assurer que les premiers jeux sur Xbox Series X là, et PS5 seront pas aussi beaux que ça, c'est sûr. Ah, je suis pas encore mort une seule fois. Hein. Par contre, cette putain de maladie est en train de me ronger. En vrai, ceux qui sont en haut, ils ont une. Ils ont le champ libre sur la tête, hein, théoriquement. Ouais, putain. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. 1, 2, 3. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13, faster. 14, 15, 16, hurry up! 18, well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know, I know. Hey. Bah, en fait... Ouais, mais regarde. J'ai vu ça que sur la PS4 et la Xbox One, j'étais pas impressionné.
Alors que par exemple, la 3-6. Putain. On peut pas juste courir, les gars? Vous êtes cons ou quoi? Au lieu de rester là? Tu veux pas te cacher? Bon, un chapeau ou pas? Putain, j'ai chaud aujourd'hui. Oh là là! Dommage. Quoi? J'suis en train d'éviter mon sang. Ah, je suis beaucoup trop chaud aujourd'hui. Que se passe-t-il? Où est mon non-skill? Putain! Ouah, toi Non mais pardon. J'ai un chat motherfucker, faut pas jamais vaincre. Non mais là par contre, enfin voilà quoi. Du coup oui, la 3-6 j'étais très impressionné. C'était quand même PGR 3, Cameo. C'était des jeux qui étaient très impressionnants je trouve. PGR 3 putain, il claquait quoi. Mais sur Xbox One, PS4, j'ai pas eu cette sensation de... Je sais pas. Merde, je vais pas recharger. Non, c'est une mauvaise arme. Ah, le chapeau. Pour rien, totalement au pif.
Bordel. Les autres, ils sont pas marqués sur la carte, les autres. Oh putain. Putain mais... Incroyable. Comme moi le coup du chapeau ça va pas du tout dire ce qu'on pense. Mais y'en a un qui reste en arrière je crois en bas. Hein? Mais John il est pas venu. On est que deux. John il est resté. Hein? Le point gris il est resté en arrière. Genre les mecs ils visent du rempart jusqu'ici quoi. C'est une blague. Bon John est pas là mais c'est pas grave. Il va apparaître comme par magie. Attention. Voilà. Un peu cassé l'immersion quoi. Mais mon chapeau, faut qu'on y retourne. J'en étais un magicien de vidéo. Le prestige. Ou le prestidi. Non, c'était le prestige. L'autre, c'est quoi? L'illusionniste. Un peu moins bien, mais sympa aussi. Ouais. Quand même assez chaud par rapport à d'habitude. Ah d'accord, on s'est épais. Ok bon. Il lâche vite l'affaire, mec. Trust up like a prize chicken. No doubt. Hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Ils ont un bateau aussi. Crinière au vent. Hey Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. So what the hell happened in Saint Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got her. Ouais, j'ai l'impression que mon cheval est plus petit. Hosea. That still don't seem real somehow. All them years. Ouais, j'avoue. Là, clairement, je pourrais être à la scène du bal dans Retour au futur 3, tu vois. Manque un petit plat à tarte, c'est bon. What a goddamn mess. And did we? What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba. Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me. Dommage quand même que les dialogues soient bien en dessous des gunfights. Au niveau du son, c'est relou. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a... moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. Mm.
you brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Springer brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John, you are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. And now they may come and hang us all. Ouais, de ouf. J'adore ces séquences là avec le cerf et tout. Le cerf, ouais, je trouve que c'est un cerf. Pas beaucoup de bois pour un cerf, mais j'aime beaucoup. Toutes les aberrations et tout, j'aime bien. Les effets de flair. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Bon, je me tâte. Ah, c'est pas loin. Oui. Arthur. Oui, quoi. Thank you. Thank you so much. We ain't done yet, Abigail. Dutch seems to have lost his mind. And no. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Il se prend le poteau, putain. Ah merde. On fait un saut là-bas. Regarde. J'aime beaucoup. Non mais c'est une blague. Ah putain de merde. T'as parti en couille. And you? Well, you're the lowest of the lot. Ungrateful sons of bitches. All of you. Incroyable. On adore une belle cohésion en tout cas au sein de ce groupe. Ça fait plaisir. Sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. Putain. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully,
Penelope Braithwaite. Ouais, sûrement. J'aurais que ça à faire. C'est vrai que maintenant que j'ai vu Django Unchained, je comprends un peu mieux qu'il y a certaines inspirations de Rockstar, évidemment. Mais je veux aller là-bas. Je devrais pas, je sais que je devrais pas. C'est plus fort que moi. Par où ? On cherchait mort au bif dans le coin. C'est beau ça, non ? Pas dingo quoi. What the fuck? Comme ce bordel. Mais de ouf. Là-bas, je vais donner à manger à mon cheval, tu sais, tranquillement. Défoncer mes guns. Je sais qu'il y a un coup qui va partir, je vais buter mon cheval, je le sens, mais gros comme une maison. Yep. Ils sont pas loin ces connards hein. À chaque fois, je brûle mon flingue car j'ai pas travaillé, ça fait. C'est vrai! Un minimum quand même, merde! Pas de clone qui explose, dommage. Hop. Bah ça sert à rien. Maintenant même quand je me soigne, que je bouffe de la... Pff, ça descend trop vite avec depuis qu'il est malade. Il me fait aller là-bas.
Descendre. Oh, on peut pas descendre par là. C'est des conneries. Rien du tout ce qui se passe. Eos 2. Sur le premier il s'appelait Eos. Il est mort. Il est mort. Une tragédie. Avec un train. Le jeu trop réaliste. Bah, du coup, son successeur est Eos 2. J'ai du mal à accepter, mais bon, je commence à m'y faire. Michael reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint-Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk. And they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. All right. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. J'espère que j'ai pas mis le doigt dans un truc gigantesque qui va prendre 8 ans et demi. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here behind these crates. Beau gosse. Très jolie bataille. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. Donne pas 45 secondes pour que ça parte en couille. Mr. Milton, we are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This Vanderland robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close.
close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. T'es pas caché du tout? Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob. And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Mais merde. Mais sérieux quoi. Bah t'attendais à quoi putain? Espèce d'abruti. Ah c'est compliqué de viser. Ouais, tu m'étonnes. Il était mon pote, calme. Hein. On se passait des trucs bizarres. Ho ho! Putain mais... supportable. Je
bordel. Un petit décalage hein, quand t'appuies sur la gâchette et que ça... Pardon ? Comment tu peux... Un quoi ? Enfin, je veux dire... on est d'accord. Je veux bien... les gars, je veux bien... Des fois je mise pas super bien, mais bon là... comment dire ? C'était compliqué quoi. J'ai entendu ouais sur la gauche. Je fais oui... se passe. On va prendre les deux guns, hein, c'est plus simple, c'est plus de coups. Poisson d'avril, ouais. Ah d'ailleurs, il y a de la neige qu'aujourd'hui, sur toutes les maps en multi. J'ai vu ça, je viens de comprendre que c'était pour avril, quoi. Pas forcément pratique de diriger le cheval et de viser, et de faire le café, et faire une grille de l'auto. Ah, c'est full du pif hein. Là clairement j'ai pas compris pourquoi quand j'ai lancé le jeu il dit ouais aujourd'hui il y a de la neige partout. Ah bon. Et j'ai compris ouais, c'est énervé. Social call. No, oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. Well, some sweet. We all knew sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. Looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from... Well, the Annisburg mines to Saint-Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite. Take Bill, I guess, Arthur. You go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Bon ça va, ça a pas été terrible. Alors, ça me fait penser que le mode de photo de Death Stranding est enfin arrivé. Du coup, il serait peut-être temps que j'y joue. Je ne peux pas sauvegarder. Où est mon cheval ?
Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois je vois du texte en bas, tu comprends pas ce qui se passe? Je sais pas d'où ça vient. C'est super, ça glisse, c'est la merde. Je voudrais juste sauvegarder parce que là vraiment. Je suis déjà malade dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. D'accord, il y a une petite gouttelette dans l'eau, c'est magnifique. Eh, c'est bien du riff là, tu parles pas? Oui, chelou. Putain, alors, j'ai enfoiré. C'est une tornade ou quoi? Le cheval, putain de merde. 5 minutes. Putain de merde. Hop, il y a une mission par un. Eh, 5 minutes comme ça, c'est l'horreur. Ah putain. 5 minutes quoi. Mais qui fait ça, putain? Ah putain de merde. Bon, c'est bien sympa. 61%, jamais ce jeu. J'ai un milliard de sauvegarde, je sais pas à quoi correspond, c'est une tannée pour finir le jeu à 100%. Sur ce, petite pause, on va passer sur la PS2, on va jouer aux Sims, et c'est sûr qu'on déménage. On va faire une teuf d'enfer. Version 10h, bah ça aurait pas pu être passible, hein, de toute façon. Je crois que je l'ai dit, mais pour ceux qui voient ça en vidéo, évidemment, sur YouTube, les liens dans la description, pour venir lancer une musique qui n'a rien à voir. Près de loin. Voilà. Allez, petite pause, temps de switcher de console. Et on passe sur les Sims. À de suite.